Bon appétit à Léopold dans le chat, c'est parti. On dit bon appétit à Doutoun qui s'est barré comme un chien. J'avoue, mais j'y crois pas. Oh le clébardos. Bon appétit Théotous qui nous déteste, ça fait plaisir, hop là. Merci, bonne soirée. Merci au chat de Terracine pour l'appétit, ça me fait plaisir. Allez, bon appétit Léopold, allez hop tu viens. C'est qui vient avec nous Fall Guyser là? Bah moi je Fall Guyser. Bah allez-y les gars, comment on vous attend, invité. Hop, Deo qui joue toujours à Among Us hein, d'après Steam, ok, bah bonne game. Où qu'il est? Où qu'il est Faigo? Il est là. Où qu'il est Jean? Il est là. Allez-y, il est où? Allez hop. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une invitation? Bah alors là, ma couille. Merci Andalé01 pour le sub et TouchMyQ qui vient de se saver un instant et Licornelli qui a son sub de moi et Momo Afan pour tout à l'heure. Ah bah le chat demande où est Snaptrox, bah c'est vrai ça, où est Snaptrox, ah, de nous, ça bah fait longtemps qu'on l'a pas vu. En train de forniquer quelqu'un, qui n'en demanderait pas tant. Qui n'en demanderait pas tant. Non merci, là, ça va aller, là. Oh bon, on recommence, ok. Bon bah tant pis. Hein. On fait un cinquième round, ou quoi. Eh regarde ça ma jolie, tu vois bien qu'elle est pas toute molle. Elle a sa jeunesse d'antan. Snaptrox sort avec une succube, voilà, je vous le dis. Une succube. Une ménette. Vous voyez dans The Witcher là? Ah bah voilà. Attendez. Terra, tu m'as invité s'il te plaît ou tu m'as invité déjà? Mais c'était déjà invité, putain. Bah. Oh les gros. T'abuses toi, sorte de ouf. Bah voilà, il est là. Ah mon singe. Ah mon singe. Oh, il est trop marrant ton skinos là. Allez hop. Oh putain, je me meurs. Mettez-vous ready. Le singe. Attends. Ah, mais quand on skino merde. I'm ready. Y'a Cold Yoko sur Netflix, vous êtes content? Allez. Oh bah, je suis hypé mec. Avec les rats. Putain. J'enchaîne Cold Yoko. On se fait un petit marathon rats Cold Yoko là. Oh c'est excellent, j'ai encore mon âme d'enfant. Je me sens jeune à tout là. Et puis on va zinzin de l'espace, zinzin de l'espace. Mais non. En maternelle. Bon alors Méné. Méné. Merci Clément pour le somme de 4 mois. Oogie. J'ai hâte de... Amazon Prime, allez là. Méné, il est plus fort que vous. Méné, il y a des dessins animés sur Netflix. Eh hey, Néné, tu nous mets la famille pirate là, alors Tu nous mets l'autre là qui pue la gueule, Sardine, s'il te plaît, c'est mon personnage préféré. Le Snapchat pirate. Sardine. Y'a pas que des dessins animés, y'a plein de... Oh là là, non mais putain, y'a du Lynch aussi, merde. La Sex Education, Sex Education les gars. C'est sur le sexe. Je l'ai mis à mon fils, j'ai cru que Grégory c'était un truc marrant. Mais... Les aventures de Grégory. Putain, ça a l'air sympa ça pour mon gosse. C'est pas mal la série. Bah, il lui arrive des drôles d'aventures au Grégory, hein. Oh, c'est un conte pour enfants, vous me faites quoi? Hé, hey, Galipette et compagnie, Galipette. Pas mal le montage de la série, c'est quand même bien. N'empêche, Disney, heureusement, ils ont modifié un peu les histoires parce que les histoires du chaperon rouge. C'est quoi l'histoire du chaperon rouge? Bah, je sais pas, le chasseur il commence à ouvrir le ventre. Il va voir à l'intérieur du loup, il prend les intestins, il fait un lasso. Bon. Merci Disney d'avoir. C'est un peu ça quoi. Les contes de cœur, ils se font littéralement bouffer. Hein. Dans le truc là avec la sorcière, il l'aime fait. Enfin, Hansel et Gretel, je crois. Ils foutent la sorcière dans le feu et tout. C'est. Bah, c'est franchement, c'est un bon pour enfants. C'est pas la même histoire. Non, c'est plutôt drôle. Non, franchement, j'ai cette norme. Un aspect comique. Voilà, mais bon, Blanche-Neige, elle s'en sort pas indemne, quoi. Blanche-Neige. C'est l'heure de la matinale. Et les sept nains. Et les sept morts. Allez, hop, c'est la fête. Jeu de main, jeu de vie, là. Jeu de main, jeu de vie, là. Non, pas les balançoires, merde. Merde. Je sais pas, vrai. Balançoire. Cours en équilibre sur des rangées de balançoires. Je lis les phrases. D'accord. Ouais. Voire non. C'est qui le skin cheval? Il est un peu fou ce mec. C'est moi.
Bah, ça me... tu sais, l'époque Harlem Shake, là, tu t'en rappelles? C'est tout moi, ça. J'ai un peu gardé cette partie. Allez. Je me laissais pas. Mais quand on pouvait tout dire encore, cette époque. C'est l'époque, j'ai envie de te dire. Ah, à l'époque, on pouvait dire surtout un mot. On pouvait balancer des abrutis en live. Comme ça, on avait pas peur de dire con, putain, merde. Allez. Je sens que j'ai perdu. Oh, ouais, tête de nœud, bah ouais, bah j'ai plus peur de le dire, je m'en fous. Ouais, tout même, je venais me chercher. Je suis dans ma Tesla. J'ai live, pardon. Bon, allez. Cool. Bourriquet. Je vais faire un stream Tesla. Allez merde. Eh les gars, j'ai jeté une Tesla les gars. Eh, heureusement que j'ai pas le permis, sinon j'en aurais déjà une les gars, bah ouais. Bah. Elle peut conduire tout seul, foncer sur les gosses. Putain de merde, mais des cons là. C'est vrai qu'il y a voice mode dans Tesla, genre tu peux faire des voix de robot pendant que tu conduis. Tu sais, tu vas voir, il y a un inspecteur de police qui vient te voir et tu fais la voix de robot. Oui, j'ai le permis. C'est pas moi qui ai fauché la vieille. Non, désolé, j'avais oublié de désactiver le voice mode, monsieur l'officier. Tu balances des gros bruits de pied là pendant que la police elle te pourchasse. Car t'as un délit de fuite. La vitre fermée. J'ouvrirai pas, de toute façon j'ouvrirai pas donc. Ah, meuf de me chercher. Eh, les flics là. Alors la vitre elle est en plexiglas donc tu pourras pas rentrer. Allez hop, je suis qualifié. Allez putain, non, il y en aura 10, c'est bon. Oh putain. Oh, la dernière seconde. Dédicace à ma grand-mère morte. Énormément de fun pour ma part. De fils de pute fait par des fils de pute pour des fils de pute. Ah bah je vois que. Ah ouais. Fils de pute. Ça va et toi? Molo. Alors, donc, y a que toi qui est pas qualifié. Ok, je vois qu'il y a de bonne ambiance avec. Il a foutu, il est parti comme Déo. Gros boss, je me barre manger aussi, c'est bon. Ah ouais, tu crois que je mange Non, mais vraiment, il en a rien à foutre de Déo. Déo, j'avais revenu, hein. Non, mais pendant le live de Squeezie, il barre pas en plein milieu comme ça, hein. Bizarre, il y a peut-être. Il reste même sur le Discord après, on peut parler un petit peu, genre numéro 2. Ah, je vais peut-être me déguiser en Squeezie en prochain, parce que bon. Cosplay Squeezie. Bah allez les gars, je vais... Voilà. Trop quoi, la loose. Je vais vous regarder quoi. La loose. En tout cas, c'est... Regarde bien ça. J'en connais un qui va se faire maltraiter. Ça continue comme ça. Attendez, je fais un petit Twitch Things avant que ça... Non. Oh, j'en ai fait un à 3h du matin la dernière fois. C'était ah ouais, pas là, c'est Renault. Renault à la sortie du bar. Désolé d'être arrivé en retard au concert. J'aime bien parce que les fans de Renault ils sont toujours fidèles même quand ils commencent à dégueuler sur la scène. Ouais, mon Renault, c'est pas grave. Il est rebelle, il chie sur la scène, il est rebelle. Il est dans le sac. C'est toujours là quoi. Il a pas de place à 60 balles. Ça c'est mon Renault à moi. Oh putain, il est trop drôle. Oh, il a le temps de faire que deux chansons de s'évanouir, mais quel concert putain. Ça c'est mon Renault ça. Oh Mistral perdant, mais bon. Il va commencer à dire des propos ainsi sur ses affaires. Ouais. Putain, t'as raison Renault. Il a pas la langue dans sa poche, on peut te dire. Ouais, mais t'as raison mon Renault, faut les virer, putain de merde. Fermez-le, mettez un cadenas là sur le... Bref. Bon, par contre, il commence à me faire chier le mec là de sur le podium. Là. Ouais, sur le pompon, ouais. Eh, hey, petit con. Voilà, c'est bon, je l'ai. Il se barre. Si vous voulez me snipe, je suis Fall Guy 1800. Il était pas à me sniper. Fall Guy 1850 qui avance rapidement. Hop. Allez, hop. Hop là, Tchekos là, c'est bon. Le Mistral bandant. Ouais, ça me fait rire. Bah ouais. J'aime bien comment il arrive. 1 minute avec toi sur un banc et toucher les nichons. Allez, laisse faire là, c'est bon. Allez, juste un petit néné. Ouais.
Des étrangers au bout du monde, et c'est bien comme ça, putain. Étrangers, bah restez où vous êtes. Hein, le détroit de Gibraltar, ouais. Là, restez. Bravo Renault, bravo Renault. Ouais, mon Renault. Ouais, moi j'ai vraiment envie d'un concert, il commence à se lâcher, il dit des trucs. Je veux un Renault qui se lâche, putain. Bah ouais, je veux. Vous en avez pas marre des Arabes. Oh, oh, Jean, au bout d'un moment, genre, par contre, tu sais, genre, il y a. Tu vois, il y a le stade où on dit pas, ça reste implicite, et il y a le stade où ferme ta gueule. Oui, voilà. Tu vois, là, t'attends ce stade-là. Alors, Fall Guys, donc, jeu développé par Devolver. Manhattan. C'est pas la première fois qu'on le reprend, Jean, en plus, hein, je me souviens. Non, mais non, il y a rien à foutre, hein. Parce que je vais peut-être le mute, Jean, en fait, attends. Oh, non. Fais ton live de ton côté. Trop triste pour celui qui était en cheval. Mais bien fait, vous l'avez vu le gros con en cheval là, qui attendait le dernier moment. C'était moi. Ah. Non, je déconne. Il s'est fait éliminado. Ah, par contre, on est trois qualifiés, donc gagnez des points. Je suis à cheval. Vous avez vu la vidéo de Paris Hilton où elle tombe du cheval? Marrant. Ouais, ça me fait rire, des accidents d'équitation. Écoute, ça va les ceux qui font de l'équitation là, pas trop riches. Allez hop. Allez hop, c'est fait ça, voilà. Je connaissais une meuf. Attends, il est de ma couleur, mais. Ok. Je parle d'en Fall Guys, hein. Pas de. Non, parce que je vois que Jean il dérape donc. Non, parce que j'allais lui laisser ma place dans le bus, mais attention, ouais, c'est. Jean, faut. Pas de bail, hein. Jean, en fait, il, c'est soit il se tait, soit il est borderline. Il peut pas faire un entre-deux. Qui a quitté, c'est Rego là. C'est pas Rego. C'est pas vrai qu'il est parti lui aussi là. Je pense qu'il l'a bugué. Oui, oui, il a bugué. Non, non, mais tout le monde s'en rend là. Cacabox. Allez, la cacabox, c'est plus 3. Bon, bah voilà. Dont un qui fait des blagues un peu mollo qu'on peut pas contrôler. Donc, bah, on a un bon avenir. Hein. Ouais, de toute façon, Jean est en live. Hein. Bon, bah, son Twitch aura pas duré bien longtemps. Attends. Il veut plus rien dire. Il va faire des marsupilamis. Ah, Ouba, Ouba. Gajiba. Il va parler en onomatopée là. Ouba, goût. Oh, on domine. On domine large, hein. J'ai pris un portail en or, je vous cache pas que ça a aidé. Ouais, je m'attribue cette victoire, ouais, bon, et alors. C'est qui toi, t'es raciste? C'est quoi les symptômes d'un ulcère? Je suis 21-39. Que... C'est le symptôme de quoi? D'un ulcère, parce que ça commence à me faire mal au bide. Attends, c'est pas parce que t'as vu que Peter Jackson il avait un ulcère. Ouais, je suis en train de devenir parano. C'est comme quand j'étais petit, j'avais vu le ver solitaire. À chaque fois j'avais mal au bide, je disais putain, mais tu me caches le cul à l'intérieur. Sors. Comme dans Fort Boyard là. Sors, putain. On va perdre. Oh non, 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 non. On était en train de dominer. Mais comment ça, oh non. Oh non. Putain. Oh non, vraiment dommage. Eh bah alors les gars, on va pouvoir rejouer ensemble. Super, non? Bah non, pas super. Putain, bah pas super du tout, quoi. J'ai pas passé la deuxième manche. Depuis, comment on a fait pour Qu'est-ce qui s'est passé? Je repense à la reprise de Renault sur un banc avec toi. Une minute avec toi, pas plus. J'ai eu plein. Salut, t'es avec toi, putain, mais appelle pas les flics, c'est bon là, je vais y en aller. 5 minutes avec toi, j'ai pris des menottes, allez hop, t'es accroché. T'as récité. Mais par contre, Faego est parti, hein. Ah oui? Bah ouais. Coup, non, mais y'a un truc de ouf. Vas-y, on fait une partie, hein. On fait une partoche? Bah ouais, partoche. Allez. Je rappelle, hein. S'il y a des fans de la Cacabox, on fait une grosse soirée dans nos locaux. Les locaux, c'est chez Snaprox. On ira. Ouais, Snap, il est venu pour ça. Il y a Sadaron qui a acheté de la liche. On va se mettre lourd. On va TJ Steamer. Vous pensez, il est en train de faire quoi, Snap? Moi, j'entends des coups de rein. Ça résonne. Ça claque là, j'entends des claques là. Il y a lui qui frappe pour le mur là. Moi, je me demande ce que c'est. Je sais pas pourquoi. Sa pauvre Daronne là, ça fait 6 jours de suite qu'elle dort pas là parce que elle entend de la nuit de bordel là. Ah, il en fait une. Oh l'animal putain. Mais qui m'a fait un fils comme ça? Ça prouve vraiment qu'il croit qu'il déménage depuis une semaine là. Putain les meubles là. Mais tu vas le.
Tu vas le défaire ce lit là, mais. Bon, tu l'as cuit cette escalope de poulet parce que putain, c'est pas en tête contre le mur que ça va marcher. Allez, il faut m'inviter maintenant. Bon, on a relancé en gros là. Ah merde, mais du coup j'attends. Hop là. Non, mais c'est une blague. Vous pouvez faire des fanfictions. Hein. Et ben voilà, je vais pas être qualifié. Pourquoi? Parce que. Ouais, ça, merci Mesh42 pour le sub de 9 mois. C'est vrai qu'il est venu hyper en retard au ping-pong? Oui, une heure et demie en retard. Ah ouais, un info, ce mec. Bah, je le dirais pas, mais devine c'est qui il était. Bah voilà. Ouais. Bah voilà. Je suis là. Vraiment, genre, à chaque fois il fait un truc, il dit bon, un coup de rein avant et. Tu sais, avant de faire la cuisine, bon, un coup de rein avant. Emmerich à table! Bon, allez. Un pied au vent là, de manger, bon, pour se mettre en forme. On y va. Salut ma chérie. Je vais aux chiottes. Bon, un coup de rein. L'endurance qu'il a, je pensais pas il avait autant d'endurance quand même. Ouais, vous allez voir après sa prochaine vidéo, il va démarrer la vidéo comme ça. Salut tout le monde, c'est Stefrox. Oh merde, j'ai pas mis de t-shirt. Oh, ah, mais tu sens là, va-t'en, c'est pas le moment, je fais la vidéo. Mais comment ça, ma bite est dans le cadre? Si vous voyez une touffe de cheveux qui dépasse du bureau, c'est en. Qui fait des va-et-vient, bon, c'est. C'est. Merci beaucoup, Macastix, qui va faire deux subs dans tout ça. C'est vraiment le mec qui a jamais eu de meuf, quoi. Ouais. Genre, il arrive avec des gros suçons sur le cou, vous devinez. Eh les gars, bah, me demandez pas ce que c'est sur le cou, je vous dirai pas. Oh, les mecs comme ça, là, au collège, là. Alors après, j'ai pensé à un mec qui était pas au collège et qui avait ça dans une vidéo récemment. Ah oui, c'est un live. Ouais. Enfin, il est au collège, mais indirectement, du coup, alors attends. Hop, on va. Il a le syndrome de Peter Pan, un peu. C'est encore un gosse dans sa tête, putain. Oh putain, eh, on a pardonné Michael, on peut le pardonner, c'est bon. C'est Robin, il a tout dans Peter Pan, là. Il est tout seul sur les aux enfants, là. Alors, il est là. Un bois de faire les deux. Il a. Bon, qui veut jouer avec ma Beyblade là, alors attention. Alors les jeunes, vous voulez voir ma toupie? Oh, attention, tirez bien sur la ficelle. On recommence, faut bien la charger la toupie là. Oh, il est trop bien ton skin. Il y en a qui essaient de me faire tomber, il y a une volonté de nuire sur mon skin. C'est combien toi déjà? 21-39. Le gaz 1650 maintenant. Christophe Coulon a des couleurs 1900. Ah, le jour où Christophe Coulon a découvert Streamlabs OBS, allez hop. Il a découvert Google Chrome, ça lui a changé la vie, mec. Il a découvert Among Us, il a fait des parties de ouf sur le bateau là. Je vais coloniser ce site internet. Trop nul à GeoGuessr, Christophe Colomb. Oh, allez, hop, découvert là. Non, je vous tue tous, il y avait personne d'autre avant là, c'est parti. Je pose mon drapeau. First, allez hop. Comment ça, il y avait quelqu'un d'autre avant? Mais il n'y a plus personne, voilà, allez hop. Moi j'ai vu personne alors là. Elle pas vu, pas pris. Ouais, j'avais vu quelqu'un. Oh non. Le film Robinson Crusoe, mais avec Pierre Richard là. Victor. Merde. Non, j'ai pas vu. Bah, c'est seul au monde, mais avec Pierre Richard. Ça donne trop envie. Et il est dans une île, et voilà. C'est seul au monde avec Pierre Richard. Ouais, c'est... Je me rappelle des petites parties du film, mais... Ouais, c'est bizarre, quoi. T'as été qualifié pour ça? Non, éliminé, je vais vous regarder. Du coup, il a des colis, la poste, colissimo. T'as été qualifié, ça? Non, je suis éliminé. Vous aussi? Bah ouais. Bah alors on retourne au mur alors. Oh putain, un colis Amazon. Allez, invitez-moi. Oh bah je vois. Mais Catherine, je te dis que je t'aime. Je vais garder ces colis Amazon, voilà. Petit Snapchat avant de... Sur l'île abandonnée. Hop, le retour au menu. Merci Macassi pour les subs offerts encore une fois. Et merci Toris 317 pour le Prime. Hop, c'est parti. J'attends l'invitation là. Ben non, ah non, putain, c'est vrai, faut inviter l'autre qui se barre. D'un temps, tu te barres, t'as qu'à pas te barrer en même temps. D'accord. Allez, go. Pourquoi t'as bugué? T'as eu quoi? Toi aussi, t'es parti faire ta séance là. Non, mais coupe-toi avant la partie, c'est ça, frérot? Ah bah oui.
Eh les gars, bah vous non, mec, ce que je viens de faire, le sexe. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait un trou dans le miroir et je... Putain, qu'est-ce que t'es belle. T'es belle dans tes combats. Oh ma chérie, putain. Non, ma chérie, me regarde pas avec ces yeux-là. Tu sais que tu me donnes envie. Avec tes yeux de biche, là, j'ai beau faire 400 kilos, je suis pas mal, putain. Bien en chair, mais bien dans ma peau. Il est beau, il est beau. C'est beau, je... Il est laid, il est laid. Eh, le mec s'est acheté une villa avec cette chanson quand même, hein. Ah ouais, mais il a les mille juste prix. Il est peut-être temps de... Non, tu parles, tu confonds avec le Big Deal. Ouais, en vrai, maintenant il a fait le juste prix aussi, hein, sur TF1. Ah ouais, quelle carrière, fou. Putain. Il est trop fort. Il a tout fou. Et il vient bientôt dans la cacabox. Pour animer le Switch. Switch cacabox. Avec Vincent Lagaffe, bah ouais. Putain, en vrai, vous devriez faire. Bon, moi je peux pas venir sur Paris, mais avec les autres là, vous devriez faire des jeux comme. IRL. Des petits jeux, ouais, IRL. Tu palais. Allez les gars, faites ça. Ça veut dire quoi, des petits jeux IRL? Ah, genre Bon Clash, ouais, ok. Seb. Non, comme fait Seb, tu sais, quand il est entre potes là, vous trouvez des petits jeux comme ça. Non, mais Seb est très fort avec ses potes pour trouver des concepts. Ouais, mais c'était avec Damien Mestudi, il faisait un juste prix. C'était trop drôle, il y avait des trucs dans la boîte. Mais je les ai tous vus leurs mini-jeux. J'ai pris AliExpress et c'était trop drôle. Après, bon, on va pas leur voler tous leurs jeux, mais si vous avez un jeu comme ça. Bon, en gros, je vais sur la chaîne de Seb la secondaire et puis on va se régaler. C'est parti. Allez hop. Allez. Tu m'excuseras. Mais Seb, à chaque fois, il fait toujours des vidéos concept normales, tu sais, avec d'autres potes, et c'est marrant. Bah ouais. Ça s'appelle le talent, les youtubeurs. Allez hop, je dénonce. Dénonce-os. Il en trouve 50 000 des trucs cool à faire. Il y en a qui se taillent les veines pour les avoir, ces concepts-là. Oh, qualifié, les gars. Sûr que React des. Merci, Waze, pour le prime. C'est pas le même niveau. Recherche. Non, mais. En vrai, ouais, des. Merci à l'explosif pour les 6 mois de sub. Comme ça peut être marrant, ouais. Mais ils avaient fait d'autres jeux qui étaient drôles. Même quand ils faisaient des trucs où ils fouillaient les poubelles, en vrai, je trouvais ça marrant, regardez. Là, ouais, bah même les trucs. Les pêches à l'aimant, pareil. Bah ouais, bah. En fait, c'est pas un truc qu'ils ont inventé, mais. Non, mais ça se faisait pas, c'était pas popularisé, c'était vraiment drôle à regarder. Mais c'est parce que c'est eux aussi. Enfin, je pense pas que je rigolerais autant avec d'autres mecs, tu vois. Bah, par exemple, Snaprox. Snaprox tout seul qui fait pêche à l'aimant. Ah bah tiens! Mais attendez, je peux tout ramener chez moi là! Le tesson de bouteille! Le clou là! Mais je peux me faire une table avec un. Ah, ça c'est pour mon lit ça! Oh putain, la petite cuillère là, à peine servie! Bon, c'est parti! Ça c'est pour bouffer ma agenda, ça me rend. Oh bah ma meuf est chercher un nouveau pot de fleurs, super! Ah non! Oh, je suis tombé dès le début! Je pensais que je pouvais pas. Y'a quoi comme de la pêche IRL? Non, par contre, ça c'est trop impossible à cause des poissons, c'est pas possible. Hey, de la chasse IRL là, allez hop, le sanglios. Ah, t'as pas le droit de le montrer sur YouTube? Bah non, c'est pas que t'as pas le droit, c'est que jamais tu vas. Enfin, je suis pas pour ces trucs là, donc je vais encore moins le faire en vrai. Pêche à l'aimant, c'est marrant, pêche au poison, bof. En vrai, le problème, la pêche en rivière, c'est trop bien. Ouais, c'est qu'on peut plus rien dire. Non, mais ta gueule! Voilà le non, mais la pêche en rivière c'est bien, mais par contre, dès que tu pètes ton hameçon, faut tout refaire. Et des pigeons dans Paris, ouais! Non, mais moi, le problème, c'est que les gens qui font de la pêche, ils sont en mode. Non, mais on les relâche après, je lui dis, ouais, mais bon, tu les relâches avec un trou de 3 cm dans la gueule, quoi, genre le truc qui va crever, quoi! Donc bon. 4 coups de poing dans la gueule, ouais, on est flic, on le relâche. C'est le DSK après sa. Sa garde à vue, ouais, on l'a relâché, c'est bon. Oh, c'est bon, on l'a relâché, tranquille. Tu vois DSK avec des cocards et tout. Ouais. C'est bon. N'hésitez pas à regarder le film où. Avec Depardieu. Le rôle de DSK, si vous voulez voir Depardieu à poil. En vrai, on aimerait bien le stream sur Twitch. C'est incroyable. Mais hein. On aimerait bien. Hein. S'il est sur Amazon Prime, écoutez, un jour. Attends, peut-être. Ça, faudrait un crash test. Non, allez, je ne le fais pas. Tu le fais. Je fais pas le crash test, toi. Allez, Flygo, tu le fais. Bah, Flygo, tu regardes la vie d'Adèle Amazon bah non, Prime et tu nous dis. Et tu nous dis au bout d'un mois si ça se passe bien. On va regarder un film de Gaspar Noé en live. On va merci, voir. Mike Assis, pour le savoir faire. Sur la vie d'Adèle pendant les scènes de cul. Bon, bah là, elles font le ciseau.
Bon, voilà. Le mec a pas de vanne. Bah, le ciseau, ça. Ça fait des coupes, ça fait des cuts. Oh, le gars derrière, il va être fou. Cut. Ah, on a vu la bite. On a vu la bite du mec, vous avez vu? Allez. La vie d'Adam, il n'y a pas de bite. Allez hop, je t'ai reçu. Merci Nightmare pour les deux subs offerts. J'imagine qu'il chiche pendant la scène, il vient. Il dit bon, je peux venir. Je peux participer. C'est moi, je fais un caméo. Oh putain. Caméo. Allez. Comme Peter Jackson dans Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Sauf que je suis tout nu, c'est pas bon, allez, c'est bon. Il se réunit avec Daniel. Je suis déguisé en mec qui va prendre son pied, allez. Je suis le perchiste, le perchiste à poil qui vient petit à petit dans la scène. Il est calme. Ouais. Alors, le micro. Non mais je vais disqualifier, c'est bon. Ouais, moi aussi. C'est bon, je me prends tous les trucs. Non mais la mangue, c'est Grio la mangue là, me focus. Connard. Non mais c'est bon, c'est un jeu infernal. 5 sur 17, oh non. Ouais, non mais là c'est bon, je suis tout derrière. Allez, c'est bon, bah, allez vous faire foutre. Allez, une. Putain. Bon, qui est qualifié? C'est quoi vos numéros de... d'identité là? C'est quoi votre numéro de service social numéro tiré? 1068. T'es déguisé en quoi? En singe. Ah oui, c'est vrai, monkey. C'est toi le petit monkey là. Bon, bah bonne chance les gars. Bonne chance. Bonne chance, t'es mec. Bonne chance, mon pote. Bonne chance, en attendant, ça va vite regarder. Love. Putain, tu vas la faire ton putain de. On réagit avec des films avec l'un, là. Bon, allez, j'attends. Bah, faut attendre, faut qu'on le fasse le soir, tard, parce que sinon les gens ils vont gueuler en disant oui, nous on peut pas voir. Donc ah, faut qu'on le fasse hyper tard. Ouais, c'est bon, vous achetez Amazon Prime et vous regardez le live de l'un. Ils vont avoir un. On peut regarder en direct s'il y a un boom. Un boom gens, bah, genre, il y a forcément des gens qui vont l'acheter pour regarder le stream. Ouais, mais c'est pas bénéfique pour nous qu'ils achètent Amazon Prime. Oui, mais juste pour regarder si vous avez de l'influence. Jeff Bezos, il va juste faire merci la famille. Il va faire un message. Merci les deux homos là qui font des vidéos. Allez hop, maintenant je vais me raser le crâne. Par contre, Jeff Bezos, il a une calvitie ou c'est juste qu'il assume complètement là? Ouais, je sais pas, ça se trouve, il se dit chauffe, c'est mieux. Après, ça lui irait pas maintenant, on est trop habitué. Ouais, il a regardé la dernière vidéo. Jeff! Jeff, vraiment, si tu m'écoutes, Jeff, franchement, bien. Jeff. Bon choix, Jeff. Cool, ah, Jeff. Fox. Pas bien ta calvasse, mon GG. Ça brille, non, mais... ça brille comme de l'or. Mais les acteurs. Attends, je vais pas le dire parce qu'on est sur Twitch. Les acteurs prono. ils sont tout le temps chauds parce que à cause de la testostérone. Non, je pense pas. Bah, je sais pas, ils sont tout le temps chauds. Non, mais c'est pour l'aérodynamisme. Bah, parce que la calvitie, c'est relié à la testo. Ah bon? C'est pour. Non? Attends, non, Jean, t'es quel numéro? Jean, il est pas qualifié. Ah, mais tout le monde est mort là? Ouais, sauf moi. Ah, mais c'est pas toi que je regardais? Ah non! C'est un autre monkey! Coucou! Non, mais ça, c'est lequel? C'est le 1868 ou? Ouais, c'est 1868. Regardez comment. Oh, il y a le 1980. Oh, les bananes! Imagine les bananes! Imagine Zé Vaisseau s'il fait ça pour pas payer le coiffeur! Ouais, bah il se rase le crâne pour pas payer le coiffeur. Oh, Jeff, t'es radin là. On est à 1€ par jour, on parle, mais vite à 2€. Banane. Je le dis direct quoi. Jeff, quand il reçoit un mail de Greenpeace pour faire 5€ d'eau, il est en mode ça va pas. Moi, filer du fric. Comment ça, faut sub pour regarder la VO2? Bah non. Ça passe à propre prochaine. Tu sais, il va dans les. Dans les archives pour regarder les vidéos. Vous me hackez ça et vous voir la VOD. Imagine Jeff qui va sur zone téléchargement quand il veut un film parce qu'il veut pas payer Amazon Prime. Ouais, c'est mort. Comment ça, trou détective sur. M'en fous, je le crache, c'est bon. Je donnerai pas 1€ à cette société honteuse là, de Amazon. Mais des fois, ça fait pas. Le mec il renie, genre il est dans une réalité où il est pas un patron multimilliardaire. Je porte des t-shirts troués, rien. Ouais, c'est foutre, bon là, je me tue toute la journée au boulot, je veux pas payer des services comme ça là. Amazon c'est le diable, je vous le dis les gars. Je sais pas qui est le mec là d'Amazon Primos. Je suis mort, c'est bon. Ouais, bah je regarde les. Je regarde la fin, tu m'excuses. Ouais, enfin, mais j'ai l'impression que la banane elle a. Elle a un auto-jump, mais non.
Non, elle a un truc qui permet d'éviter les hits. Bon, par contre, elle a un truc parce que je comprends pas comment ça se fait qu'il se prend les trucs et il tombe pas. C'est ce que je t'ai dit. Non, mais vraiment, il se prend les trucs et ça lui fait rien. Ah, bah. Oh, les grosses dents que j'ai. Non, mais. Il se fout de la gueule du monde là. Comment ça, les grosses dents? Non, mais vous le voyez, la banane là ou pas? Bon, je vais dire une info ici là. Quoi? Ah non. Anna Paulina, c'est la meuf de Snapfrox, voilà. On dirait pas. On a vu les photos. Je vois trop Snap prendre des selfies en train de. Bah, de la. Il y a quoi comme mot pour Twitch? Il fait en train de la. S'occuper d'elle. Il prend un selfie, il dit salut la cacabof. Il nous les envoie sur Twitter. Alors ça dit quoi les losers? Bah ouais. J'ai trop envie que. Avec son tel, il fasse son. Il misclick, il fait live on Twitch et tu entends des. Oh, putain, salope. Oh putain, j'ai allumé mon live Twitch là. Oh putain, 5 subs, merci les gars. Oh, oh bah tant que ça sub, je coupe pas, moi, c'est parti. Oh, c'est bon, tant qu'on y est, on continue. Hein. N'arrête pas le fait. Je vois que ça marche bien ce live, donc je vais continuer. Non, mais je l'avais dit dans un live, vraiment, c'est. J'ai trop peur des fois quand je suis sur Instagram de. Merci Nightmare pour le sub. Je me branle. Bah oui, bah des fois je me branle sur Instagram. Oh, c'est bon. Non, mais garde. Ça veut dire quoi ça? Instagram, société de malheur. Les... Je déteste cette société qui monte des corps et tout là. C'est quoi ça? Dessins partout. Bon allez. Oh putain, j'aimerais pas voir les abonnements de ton compte privé. Ouais. Ça va? Ça veut dire qu'il scroll des fois, il voit Snaptrox, là, dans Snap Turnon, putain. Si on se voit dans la vie réelle à Paris, je te donne pas mon téléphone. Voilà. Tu touches pas Instagram. T'en as assez vu là. Non, TikTok, ouvre pas. Regarde pas mes likes. Et les... Putain. La posture pour les épingler, non. C'est bon. La galerie, surtout pas. La galerie. Il y a des vidéos privées. Pour mes fans. Explique-moi intimité, s'il te plaît. Oh. Et, hop là, quel tiède. Essaye, si tu vois un snap, faites un live restaurant. Vous mettez tous sur un restaurant et vous bouffez. Et vous bouffez, tout simplement. Non, vous regardez Snap bouffer. C'est le concept. Avec les doigts. Si lui amène des après. Oh, les gars, vous en voulez pas un morceau, hein. Vous me regardez depuis tout à l'heure et vous me filmez. Tu mets une. Tara, tu finis pas ton triple cheese? Attends, là. Je vais le finir, attends. Tu vas pas finir, t'as pas là. Après, j'ai un coup de rein, il me faut de l'énergie, donne-moi ça. Tu mets une petite caméra sur toi et tu mets une grosse caméra sur Snap, toi, qui bouffe là. Une GoPro. Qui défonce le burger. Snap. Tu sais, les bodycams là que tu t'attaches au corps et qui te filment toi, vas-y. La fréquence cardiaque de Snap quand il mange. Oh putain, ça commence à monter là. quand il commence à amener le plat, il y a la fréquence qui commence à monter. Ouais. Dès que le serveur arrive et qu'il dit vous voulez quelque chose, là ça commence à battre. Allez, donne-moi ça là. Filet mignon, s'il te plaît, filet mignon. S'il te plaît, parce que... Mon jambon. Il va planter la fourchette dans terre. Dromadaire, machin et tout. De l'éléphant. Vous mettez des cuisses de girafe là avec l'éléphant. Mettez-moi un sanglier. C'est vrai que. Tu l'avais dit, Terra, mais les sangliers dans Astérix et Obélix. Ils donnent trop faim. Ils donnent trop faim. Je sais pas comment ça se fait. Mais ça me turn on de la boue, genre. Je regarde un Astérix et je dis. Bon, c'est bon, je vais me faire un. Allez sur Google Images, regardez sangliers Astérix et Obélix. Je vous jure, ils sont incroyablement délicieux. C'est un truc de ouf. Ils ont une tronche là. Non, t'as.
perso, bravo. Vous voyez, Dexter aussi, le générique de Dexter, il donne trop faim, c'est des chiens. Je m'en souviens pas. Ah, il commence à cuisiner du jambon et tout, le bâtard. Oh, putain, Dexter. Fin de série toute pourrie, je rappelle. Allez, hop, merci Nightmare Fury pour les deux sabots offerts. Merci Arkazaï, c'est pas ce que t'as vu tout à l'heure aussi pour le 18 mois de somme, c'est beaucoup. Vous êtes toujours en lice là? Bah ouais. Ouais, qui est pas qualifié? Moi, il y a un mec qui m'a poussé au dernier moment, genre il m'a poussé dans l'eau. Ah oui. Il y a un truc, on peut toujours aller sur le bord de gauche ou non, ou non, pas non, c'est fini ça. Ouais. Soit c'est fini ça, mec, soit c'est terminé. Alors, 29 alors. On dirait qu'il veut sortir de prison. Il faut toujours prendre l'hélico comme Red One et se barrer. Non, c'est fini ça, on a arrêté de foutre des hélicos sur la prison. On a retiré la piste d'atterrissage pour l'hélico parce que ça foutait la merde. On a arrêté les barreaux en carton, ça marche pas très bien. Hein. C'était pas efficace quoi, les mecs ils pissent sous la barre et puis c'est fini. On a arrêté la règle où on disait s'il vous plaît sortez pas, donc bon, maintenant on les enferme. 1, 2, 3 soleil avec les prisonniers là. Oh merde, il s'est barré. Bon, oh, central, merde. Central, une évasion, mettez l'alarme. Parce que... Oh putain, on a oublié de remplacer les téléphones aussi. Oh, téléphone. Comment être une. Faut moins le faire pour aller en prison quand même. Non mais c'est vraiment, j'en ai dit, faut le faire quoi. Attends, tu vas trouver une petite mamie dans la rue et paf. Je connais des youtubeurs qui ont eu des problèmes avec le fisc, ils sont pas en prison. Faut vraiment le faire quoi. Alors que le... a été sympa. Ça se trouve, c'est qui le premier youtubeur français qui va aller en taule? Il y en a bien un qui va y aller. Ah bah ce sera moi. Bah, ça sera moi le premier. Français. J'ai réfléchi s'il y en a pas eu un. Y'a eu un condamné ou pas? Peut-être qu'il y en a eu un, mais il a pas pu l'annoncer. Genre, il a pas fait une vidéo en prison. Bon, je suis en taule avec mon pote Rémi là. Ah, mais si, il y avait Jackie. Oui, machin. Ah, Jackie, oui. Ah, oui. J'ai été éliminé. Ouais, il avait souhaité Vivix, il avait fait de la tôle. Mais je crois que c'était pas le truc où juste le soir il devait aller en prison, un truc comme ça. Pauvre Bébix. Il aurait pas pu souhaiter Snaprox. En plus, rappel, hein, Bébix, énorme couille. Le mec, premier SWAT français, il se fait braquer par 10 mecs avec les airs sur le torse, il est juste en mode bon, c'est quoi ça? Il allait faire une clé de bras au mec, hein, bon alors. Le mec du SWAT, tu poses l'arme 2 secondes, je joue à DZ là, s'il te plaît. Gros, moi genre, je vois un seul laser sur mon torse avec un mec enfoncé ma porte, bon, tu vois une énorme tache de pisse sur mon pantalon. Hein, je dis directement, c'est la coque elle est là, mais si j'en ai pas. Hein, moi j'ai. La Narod là, c'est ici sur le bureau, la Narod. Je sais pas. Hein. C'est pas moi. Oui, genre, on a autant j'ai oublié de déclarer une OP, bon voilà, bon c'est voilà. Désolé hein. Alors le fric m'en partit à pas non. J'ai oublié de déclarer les 200 balles de la SACD, je suis désolé. Oui c'est moi qui ai donc écrit Jio mais en même temps regardez-le putain. T'imagines le slot il dit ok écrit Jio pourquoi pas. Écrit Jio Macron alors. Oh, très bon choix, très bon choix. Avancez pas. C'est là! Non! Putain, je suis une putain! Voilà, c'est tout. Je finirai par ma phrase. Juste une pute. Non, parce que. Bibix, tu regardes n'importe quelle heure, jour, c'est sur un jeu de service. Je le kiffe trop, ça fait des années qu'il est comme ça. Il a toujours sa commu hyper fidèle, ça. C'est bien. Moi, je kiffe trop quand il a des phases de folie en live. Parce que je... C'est-à-dire? Bah t'as jamais vu, des fois, à l'époque où il se mettait en calbar, il se mettait derrière la cam, il mettait une musique à fond, il se mettait en position totem, là. Ou quand il faisait les lance-flammes avec son briquet, un déodorant. Mais tu l'avais retweet, ça, une fois. Ça apparaît. Par Allez. Contre, Logan Paul, je vais te casser la gueule, en fait. Allez hop, ça, c'est annoncé. Hein? Allez hop. Je t'attends là, du bouffon. Le mec il veut faire du buzz. Ah là là,
Je vais te défoncer, mec. Mentionne-moi sur Twitter. RT-moi si t'as des couilles. Ouais. Si tu me RT pas, c'est que t'as peur de moi. Bah voilà. Mentionne-moi, petite conne. Petite putain franche, hein. Bah alors, Logan Paul, on a peur de moi. Eh, hey, Logan Pétoche, c'est comme ça qu'on va t'appeler si tu me RT pas. Logan Pool, mouillé. Allez, hop. Hop là. Striker, c'est qui ça? Je connais pas. Apparemment, il a fait des années de tôle. Mais non, mais c'est Striker. Ah bah, bonne chance à lui. Striker. Ah bah, bon rétablissement. Je crois qu'il avait fait un. Bon rétablissement. Il avait fait quoi? Je crois que c'est un des mecs qui avait fait le marathon Twitos là, Minecraft. Oh oui, bon. Il l'a mis en voiture, je crois. Quoi? Oh, vraiment, c'est un vrai truc ça? Oui, je crois que c'est un vrai truc. Hein. Il avait tweeté. Bonne rentrée à vous, moi ça sera en prison. Bon les gars, c'est pas un cartable cette année, c'est un costume de prisonnier. Je reviens avec un boulet au pied. Short de cours, boulet au pied, menottes. Short de cours, nouveau bracelet électronique. Ou pas. Non en fait. Nouvelle pièce. J'ai réfléchi. C'est bon. Je suis aux plateformes jaunes là. Juste, je suis à l'avant-dernière. Ah ouais, t'es là. Incroyable, il est trop fort. Et lui, il est réel. Non, mais il y a plein de mecs au-dessus de moi encore. Striker, il a striké la grand-mère. Pour papa. Grand-mère striked. Nice try. Oh, putain, mais il y a un gros con de merde qui est tombé sur ma plateforme. Fils de con, va. Il a pris son cœur. C'est qui a fait ça? C'est pas moi. La vie est encore longue, Terre. La vie est un enfant tranquille, hein. J'ai mis ton daron. Oh. Juste pour rappeler un truc. Terra était pas là sur le Discord pendant 3 ou 4 jours, il était avec ses parents. Voilà, juste le niveau du mec. Il préfère aller avec ses parents. Préfère sa famille que le Cocobo. Bah après, continuez de le suivre, hein, pas de soucis, on va vous dire le mec. Allez-y, vas-y. Il met bien ce mec. Pas de live pendant 4 jours, il était avec ses parents, voilà son excuse. Ouais, un peu léger. Votre pote qui préfère rester avec ses parents, bah ouais, bah voilà. Allez, moi je suis Pretos. Pretos, Pretos. Attends, ouais, bon bah quittez, vas-y, nique sa mère, les mecs, ils m'ont fait tomber. Et dites Pretos. J'enfile, bah tu lui trises. Une fois, je suis allé en banlieue, j'ai mis un bracelet à ma cheville. Pour pas me faire agresser. Ouais. Merci de déjà YouTube pour le Prime, oui, et Noé aussi pour ton Prime, ouais, et Donovan Mars pour Prime. Ouais, bah j'avais avec les moyens du bord. Qui allait c'est quoi la dernière fois où vous êtes allé à Montagne Russe? Jamais été de ma vie. Au Puy du Fou là, t'y allais pendant le Covid là? Avec tous les gens réunis. Hop là, non, c'est bon, j'ai mis mon masque, viens à côté de moi. Putain, ils étaient tous collés là. Ouais, bah ils ont une dérogation, je sais pas combien ils ont fait pour l'avoir. Hein. Merci Flaxim pour le Prime. Y'a. Moi je sais. Regarde. Le créateur du Puy du Fou. Je sais qui c'est. C'est contact. Nos commentaires de tous les mots. Oh, j'en aurais pas plus, je vais pas me faire souhaiter. T'imagines Jeff Bezos quand on lui fait des vannes, il souhaite les gens. Allez, tu quoi? T'es un tweet sur sa calvasse. Bon, allez, toi, c'est bon, hop. T'es mort. Non, mais il fait des petits sauts à sa façon avec des drones Amazon qui te passent à la porte. Toc, 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 drone Amazon. On va pourrir ta baraque. On va te faire des livraisons. Il fait dropper du caca sur les baraques des gens là. Allez, hop. Par drone. Disque de colis Amazon là. Poupée de la maison. Hop. Allez, et c'est pas. Là, Hugo, t'es déjà allé dans un. Par une attraction. Ouais. Merci beaucoup, Nounouille, pour les subs. J'ai jamais été toute ma vie parce que j'ai peur des attractions. Je suis à la Walligator. Pas Kames. J'ai eu ma tenue de prisonnier. Bah, si, j'ai fait le. Tiens, le truc qui est dans Paris là. Qui est tout petit. Paris plage. Non, le parc d'attractions. Comment ça s'appelle à Paris là, le parc d'attractions que de temps en temps il. C'est un tout parc petit. D'attractions un peu Paris. Le Monoprix. Non mais. Attends, j'attends que les gens me le disent dans le chat. Tu dois éviter les canettes dans Paris. La foire du trône. J'étais à la foire du trône et le truc le plus sensationnel que j'ai fait c'est, tu sais, la chenille là qui passe dans l'eau de temps en temps. Ah ouais, avec Icrisio qui le présente là. Quoi? Icrisio, c'est lui qui est au micro qui fait. Il y a un nouveau tour, c'est parti.
dois payer mes impôts, donc je fais ce boulot de merde. Aux Tuileries, oui, c'est ça, c'est aux Tuileries. Mais je sais pas si c'est le même truc. Il est parti, Jean. Ah bon. Il faut le déplacer. Tu peux pas le... Moi, je pourrais le faire. Je peux le faire parce que je suis une salope. Bah, je sais pas si c'est fort de trop nos Tuileries, mais c'est un truc où il y a... C'est petit, c'est tout petit, il y a pas beaucoup d'attractions. Mais il y a la, chenille là qui... Tu passes dans l'eau et ça t'éclabousse. Tu passes dans l'eau, elle bloque dans l'eau, du coup tu te noies. Pas allez. Cool le parc d'attraction. Que du fun ici, que du fun, fun only. Ah, oh non, mais le grand 8 est bloqué sous l'eau. Il y a déjà eu un problème à Disneyland ou pas? Bah, le gosse décapité. Ah bah, c'est sympa Disney. Ah bah, on m'avait dit Mickey, bah là, c'est... La meuf s'est fait découper. Moi, il y a quelqu'un qui a été décapité, mais je pense toujours à celui qui était derrière. Qui a dû se recevoir du coup la tête dans l'attraction. Oh, super. Oh le cadeau. Alors là ça fait un super souvenir. Les effets tête. Spéciaux ils sont oh, trop Disney, bien. Disney je reviens. Oh putain j'ai chopé le pompon les gars. La tête du mec. Jeton gratuit. Jeton gratuit. Let's go. Par contre le mec qui a eu la tête dans la gueule je lui donne à qui hein. Non mais je lui donne des... J'espère qu'ils ont eu des intérêts. Il est descendu de l'attraction il a fait bon la chemise la 40 balles qui c'est qui me l'a pas fait. Ça, ça se rattrape pas au lavage. Il en a rien à foutre du mec. Bon, il est mort, mais rien à péter. Moi, qui c'est qui va repayer ma chemise oh, déjà, de ma femme, la place de parking, 50 euros la journée. La chemise niquée, ça va aller Disney. Giorgio Armani, le jean, hein. Ma chemise, c'est bon une devrette, hein. Je vous fais rappeler. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi je suis resté coincé dans l'hyperspace IRL. Je sais pas ce que c'est. Quoi ? L'hyperspace. C'est pas un truc Toy Story. Je sais pas. Non, mais c'est pas ce qu'il raconte là. L'hyperspace. Hyperspace Mountain. C'est dans. C'est dans Star Trek ça. Tu veux compter. C'est Star Wars. Allé à... Qui est allé à Disney là ? Moi. T'as déjà fait le truc Ratatouille là ? Non. C'est moi j'ai fait l'attraction Ratatouille, ils ont mis des vrais rats dedans. J'ai dit bien fait quand même mais ils sont en train de me bouffer la jambe là. Hop là, un rat dans le slip et vous devez faire une bouillabaisse, c'est parti. Attends, le premier. C'est les responsables Disney ils disent oh c'est comme dans le film, il va faire la cuisine devant eux. Hop là, mettez-lui le rat dans le slip, on va voir si c'est en fait c'est ça hein, depuis le début, quand Snaptrox il a un rat dans le slip qui contrôle sa vie. Le mec il de biche. Allez hop tu vas à gauche là. Le rack en train de tirer de gauche à droite là. Allez hop. Putain merde il s'est rasé les couches. Tire quoi maintenant là. Rémi. Rémi lâche ma bite mon dieu. Oh le joystick. C'est pour ça que dans la vidéo des ping pong il arrête pas de se la remettre en place. Il arrête pas de dire mais Rémi arrête de bouger là dessous putain. Mais Rémi, c'est lui qui joue au ping-pong. Je monte voir, Rémi. Oh le coup droit, comment tu fais ça, Snap? Il y a un moment donné, il réceptionne avec sa bite, je vous jure, il a dit allez Rémi, tu allais pour toi celle-ci. Il a fait jouer. Rémi s'est fait une balle dans sa gueule, le pauvre. Il fait un coup droit. Un coup droit de ouf et il dit ne vous inquiétez pas, c'est mon petit secret. Ce sera notre petit secret. Pour ça, non mais je vous jure, regardez la VOD de ping-pong, il passe son temps à se toucher le slibar, il remet le truc en place. Dans sa tête, il y avait... Je sais, mais je connais pas la musique de Ratatouille, alors je suis là-haut. Imagine, à chaque fois il baisse sa meuf, il doit l'enlever, il dit « Bon allez, on fait une pause pour aujourd'hui. Rémi, va avec tes amis, là. » Dès que c'est fini, la meuf, oh mais attends, mais tu baises un peu moins bien ce, aujourd'hui là. Ouais. Ta-da-da-da. Parce que c'est simple, il a toujours du fromage de slip. Fromage de slip. Après, peut toujours faire un plat, Rémi, après. Ils ont fait un marché. Merci pour le Cantal. Tu me donnes du Cantal. Flago, envoie le gif après de Deep Fry, machin, s'il te plaît. Faut que je le montre à mon stream. Le gif de Ratatouille. Oui. C'est un des gifs qui me fait le plus rire. Quel truc ? Il va te montrer comment il trouve. Je sais pas s'il est encore dans la... Je suis encore dans la partie là, deux secondes. Bon, en vrai, tu peux le montrer, c'est juste un texte. Moi, c'est ma dernière game, donc je dois top 1 là. Non mais... On est trop qualifié là, on est trop qualifié. Ouais, c'est bon, là c'est nickel. Oh putain, j'étais stuck dans le... Allez hop, qualifié.
Qualifiable. Te le cherche, Je suis rapide, hein. Un peu de fromage, Rémi, t'as un peu faim. Ça gargouille dans mon slip. Ah, sa webcam met du fromage dans son slip. Allez, tiens, c'est pour toi. Allez, je... Allez, faites pas attention à moi, je donne de la bouffe à ma bite. Ça gargouille dans mon slip. Depuis le début, hein, il cultive son fromage de bite, là. J'ai trouvé, putain, regarde. Attends, attends, on termine la game. Regardez. Il était plus gros en vrai, c'est dommage. Non, il était comme ça, je crois, il était comme ça. Non, ouais, il était plus gros. Attendez, ah, les mecs. Mais j'ai favori. Oh, on est 4 qualifiés, les gars, faut y aller là, pousser, pousser, pousser. Pousser la boule. C'est qui pousse pas là? C'est qui pousse pas? Mais ça sert à rien, c'est ça, on va. Mais si, ça sert. Ça va beaucoup plus vite. Ça va plus vite, hein. Regarde, t'as vu la vitesse? Bon, c'est quoi? Allez, comment il fait? Comment il fait? Mais comment il fait? T'es mal, regarde. Non, on va bloquer, on va bloquer à droite. Putain, faut vite pousser là. Contre sens. Contre sens. Allez, Théodore, le montage là. S'il te plaît. Allez, 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 allez. Vas-y, chopez le bleu, chopez le bleu, chopez le bleu, chopez le bleu, sinon il va nous faire chier. Et le rouge, chopez le rouge et le bleu. Oh putain, on est dans la merde. Chopez-le, chopez les deux. On est dans... Attendez. Oh oui. Okay, oh, c'est... Mais on est foutu. Ok, faut niquer les bleus, faut niquer les bleus, faut niquer les bleus. Oh oui, on pousse la balle. Aidez-moi, 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 on est deux. Personne m'aide à pousser la balle. Mais y'a un gars, il fout rien dans notre équipe, il fout rien dans notre équipe. Les gars, je suis tout seul à pousser la balle. Moi aussi. Et là gros, on rattrape, on rattrape. Mais on est avec des cons, avec des cons, avec des fils de cons. Mais fallait rester m'aider à pousser la balle, j'étais tout seul. Les bleus étaient trop devant, il fallait quelqu'un pour les arrêter, putain. J'étais là aussi, j'étais là aussi. Merde. À TF4, je vais voir le rat. Arrête là. Oui. Allez hop. Mais c'est ça le truc à regarder, c'est trop nul, c'est même trop pas. Je vois pas, j'ai la pub. Bon allez, fin du live, au revoir. Dites au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir le live. Au revoir. Bon, merci à tous, merci Enzo Créfier pour le sub. Ah bah oui, je suis désolé, hein. Ouais, faut quitter le live. Hein. Bisous. Et à bientôt, j'espère que vous avez aimé la partie d'Among Us en début de game, on en refera, c'était même pas mal. J'ai rien d'autre à dire. Bon dimanche. On est mardi.